Ces grands requins blancs se noient dans la mer. Max leur donne des sushis qu'il a gardés pendant des décennies. Les requins sont très satisfaits de chaque bouchée. Parce qu'il aimait les requins, Max les nourrissait tous les jours. Max et les requins ne tardent pas à devenir de bons amis. Ce jour-là, Max venait de nourrir les requins lorsqu'une tornade s'est abattue sur la mer. Il est séparé de son père. En regardant la silhouette lointaine de son père, Max avait l'air désemparé. À ce moment-là, un groupe de requins a entouré Max. Alors que Max est sur le point d'être mangé, l'un d'entre eux reconnaît Max. Shark boy, don't take a bite out of him, boys. He's a friend. Max a alors chevauché le requin jusqu'à la grotte. C'est là que vivait la famille des requins. Dans les jours qui suivirent, Max commença à pratiquer la pêche au crabe sous l'eau. Il attrapa les pieds du requin et s'entraîna à la brasse. 10 ans ont passé et Max a rapidement atteint l'âge de 15 ans. Il avait maintenant des branchies sur le corps. Et ses dents étaient devenues pointues. Et des nageoires sur le dos. Maintenant, c'est vraiment un garçon requin. Linus pêchait sur la plage. Soudain, il sentit qu'il avait attrapé quelque chose de grand. Et il a attrapé Sharkboy. Les deux sont devenus de bons amis. Linus mit Max dans l'aquarium de la maison. Soudain, la fille à la flamme verte entra dans la maison de Linus et emmena Max avec elle. Parce que la planète Drool avait besoin de lui. La scène change. Linus se trouve dans la salle de classe et se fait ridiculiser par ses camarades. Même le professeur ne l'aime pas. Il s'avère que tout cela n'est que le fruit de son imagination. Ses rêves étranges. Il les a même notés dans son journal. Jack, dans la classe, aime intimider Linus. Il a pris le journal de Linus après la classe. Le lendemain, en classe, Linus récupère son journal. Mais quand il l'a ouvert, il s'est aperçu que Jack l'avait mis en désordre. Puis une tornade s'abattit sur la fenêtre. Max et la fille aux flammes font irruption dans la classe. Elles ont parlé. Une force obscure consume leur planète. Et maintenant, seul Linus peut les aider. Ils montèrent tous les trois à bord d'un bateau requin et partirent. Ils arrivèrent bientôt sur la planète Drool et rencontrèrent le plus grand des méchants. C'est Papa Electron. Regarde l'homme à la grosse tête. Il n'est pas très beau, mais c'est le chef des méchants. Avant, il était l'électricien de la planète Drool et contrôlait tous les systèmes électriques de la planète. Mais aujourd'hui, il est devenu le méchant. Il a convoqué de nombreuses prises pour attaquer les trois hommes. Mais les trois hommes ne font pas le poids face à Daddy Électrique. Bientôt, ils sont jetés à la décharge par le père électrique. C'est là que Linus rencontre le robot de l'expérience précédente. Le robot dit à Linus que c'est son pays de rêve. Lui seul peut le sauver. Mais d'abord, il doit pouvoir dormir. Pour que Linus puisse dormir, le robot les envoie au royaume du lait. C'est un royaume étrange. L'eau de la rivière n'est que du lait de vache. Le sol est plein de chocolat et de biscuits. C'est le meilleur endroit pour dormir. Linus a enfin pu s'endormir lorsque Papa Electron l'a rattrapé avec ses fiches. Max est peut-être un grand combattant, mais il n'a pas l'air d'être d'une grande aide. Linus a juste obtenu un petit super pouvoir grâce à son rêve. Mais il est bientôt électrocuté par la prise. Au moment critique, Linus a créé un bateau banane grâce à son rêve. Tous les trois utilisent le bateau pour s'échapper et arrivent au nid de la marée des rêves. Ils découvrent que Jack est le cerveau de l'attaque. C'est lui qui a réécrit le journal de Linus. Ce qui a conduit à tout cela. Le but de Jack est simple, dominer la planète Drool et en devenir le roi. Il les a mis tous les trois dans une cage et s'est ensuite couché pour dormir. Alors qu'ils essayaient de trouver un moyen de sortir. Un groupe d'elfes est soudain arrivé. Le chant des elfes est très sensible aux requins. Très vite, Max est irrité par les chants. Il finit par se mettre en colère. Max mord à travers la cage. Et quand cela ne suffit pas, il mord à nouveau. La cage craque comme une tablette de chocolat. Finalement, ils ont réussi à s'échapper tous les trois. Ils ont volé le journal. Mais tout a disparu. Linus se souvient et réalise que seule l'étoile de cristal peut tout restaurer. Ils se rendent donc tous les trois au palais de cristal. Ils obtiennent l'étoile de cristal auprès de la reine des neiges. Ensuite, ils ont pris le cœur de cristal avec eux et se sont préparés à se battre avec Jack. Parce que Linus n'a pas de super pouvoir. Max et Flame Girl n'étaient pas du tout de taille à les affronter. Bientôt, Max est assommé par l'anguille électrique libérée par le père électrique. Pour sauver Max, Flame Girl a sauté dans la rivière et a sauvé Max. L'énergie de Flame Girl est également épuisée. Pour la sauver, Max a fait exploser toute son énergie. Il l'a jetée dans le cratère. Finalement, Flame Girl a retrouvé son état le plus élevé. À ce moment-là, Linus peut enfin avoir le super pouvoir de rêver sans dormir. Bientôt, il se rendit compte qu'il était capable de courir vite. Mais ce n'est pas une menace pour Jack. Parce qu'il a lu le journal de Linus. Il connaissait tous ses tours. Mais Linus a inventé une nouvelle technique. Le brainstorming. Bientôt, la tête de Jack devient un culbuto géant. Mais en fin de compte, Linus ne lui a pas fait de mal. Il l'a aimé. Jack s'est également rendu compte de son erreur. Il s'excuse auprès de Troy. Mais à ce moment-là, Papa Electron refuse de reprendre son travail d'électricien. Il veut partir d'ici et aller sur Terre pour régner sur le monde grâce à ses super pouvoirs. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment retourner dans son monde de rêve. La fille aux flammes lui dit, « Cligne trois fois des yeux et tu te réveilleras. » Après trois clignements, Linus se réveille. Il était toujours dans la salle de classe. Mais Papa Électrique était déjà dehors en train de détruire la ville. À ce moment-là, Linus pensa soudain au cœur de cristal. Car dans son rêve, la reine des neiges était Marissa, la fleur de la classe. Int a donc porté le cœur de cristal au cou de Marissa. Marissa a fait un signe de la main. Et le papa s'est transformé en sculpture de glace. Avec un grand bruit, le papa électrique s'est transformé en flocon de neige volant. La crise sur Terre était terminée. Cette histoire parle à tous les parents. Qu'il s'agisse d'un rêve ou d'une chimère. C'est dans la nature des enfants. N'ignorez pas l'imagination des enfants. Face à leurs idées, ce qu'il faut faire, c'est encourager et affirmer. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.